Des amateurs avec des gants embourrés, donc qu'est-ce que ça va donner avec des gants de 4 parts, c'est ça atypique. Et le bar arrière, ça tourne. Donc c'est les débuts en... chez les professionnels pour Patrick Abirora, donc on va laisser Sébastien présenter ce combat et ensuite... Et donc, allez, je me mouille. Onyen Zivanovic, 21 ans, 1m80, qui combat du coup ce soir en catchweight, moins de 75 kg, qui n'est pas une catégorie particulière. Donc, ne vous attendez pas à une opposition très dure. Hein. Il faut savoir qu'une carrière, ça se construit. Donc, ne soyez pas surpris du résultat. Bon, même si un combat, il ne s'est jamais gagné d'avance. Exactement. Qu'est-ce que tu veux nous dire, Boulox? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Bah, ce que je veux dire, c'est que. Qu'est-ce que tu sous-entends? Voilà, mouille-toi maintenant. On a son adversaire qui est en négatif. D'accord. Patrick Abirora qui a eu du succès hein, chez les amateurs, championnat du monde, championnat d'Europe. Et donc? Donc, forcément, une carrière, ça se construit. Donc, il va falloir qu'il monte petit à petit. Écoute, tu te mouilles pas assez. Fais-nous ton prono. Vite là, ça commence. Fais-nous ton prono. Eh bah, écoute, mon prono, je pense forcément un beau bras arrière et une extension des feux. De la part de c'est Patrick. C'est parti les amis, après, ça voilà, va partir. Un combat si jamais gagné d'avance. Mais tu te souviens à 1-2 pour toi? Ouais, je pense à 1-2. Okay. Bon, en tout cas, la différence physique quand même, hein. Même si ça veut rien dire. Mais c'est bon. Voilà, il y a pas mal de masse musculaire du côté de Patrick. Qu'est-ce qu'ils en pensent, le chat? Ouais, le chat, dites-nous pour qui vous êtes. Quels sont vos pronos, le chat? Patrick Abirora qui a dit... Premier combat pro. Qui reste affamé même chez les pros. Champion du monde amateur. IMAF. Bon, je sais que vous voulez tous que ça se termine vite pour basculer sur Taylor. Mais il y aura l'interview d'après combat de Patrick aussi. Restez bien connectés. Ne clignez pas des yeux. C'est parti. Catch weight, moins de 75 kg. Des gants du 4 roses. Donc ça doit faire vraiment mal parce qu'il a attention. Un sacré punch. Oh, déjà. Attention, Patrick. Il a mis pas mal de KO chez les amateurs avec des gants rembourrés. Donc qu'est-ce que ça va donner avec des gants du 4 roses? Mais il faut faire attention à ce genre d'adversaires-là. Ils sont imprévisibles. Hein. Il a encore été touché là, Patrick. Donc, va falloir être vigilant quand même. Va falloir être vigilant. Le bras arrière, je peux vous dire que ce genre d'adversaire là, ça part de. C'est atypique. De nulle part, c'est ça atypique. Et le bar arrière, ça va être. Va falloir être pour ce qui est une. Bon. Patrick Abirora. Oh mon dieu. Ah le bras arrière, hein, le fameux bras arrière de Patrick. T'es mouillé mais c'était facile. Wow. C'était facile mais hein, fallait le dire. Bon, en tout cas Patrick qui n'a laissé aucune chance à son adversaire. Wow. Parce que je vous jure que ce genre d'adversaire là est très la surprise parfois. Wow. Ça prend des coups de pied retournés d'un peu partout. Ça frappe avec des ongles morts. Wow. Là il a pas vu l'angle mort. Bon, je suis obligé d'aller demander à Patrick ce qu'il en pense. Ouais.